Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour tester la course d'un abonné. On va aller dans labo d'épreuve, épreuve personnalisée, rechercher. On va mettre le code suivant. Vous tapez le code suivant 166-526-435, 166-526-435 et vous validez. Vous tombez sur l'épreuve ici. Alors moi je vais prendre la Vantage 2019 d'Aston Martin en S1 900 pour faire la course. Cette course est en pro. Vous pouvez voir ici que la difficulté est bloquée en pro. C'est parti, je vais laisser toute la course. Je les ai toujours en ligne de mire, je sais pas si je vais réussir à les rattraper. Je les ai toujours en ligne de mire. J'ai trop freiné, c'est pas grave, je connais pas le circuit.
Aïe aïe aïe, catastrophe. Ah là là, l'erreur fatale encore. C'est un gros piège là dans le virage. Ah zut. C'est vraiment un gros piège dans le virage là. Mais bon, c'est ma faute, hein, j'ai pas fait gaffe. Oula, le rebord, je l'avais pas vu. Pas mal, pas mal. Bon, je pense pas que j'arriverai à gagner sur ce circuit. Faudrait que je le fasse plusieurs fois pour bien apprendre toutes les subtilités et tous les virages, mais je crois que je finirai bien troisième. Mais premier, ça me semble compliqué pour moi. Faut vraiment apprendre bien les cours, bien les vitesses à prendre. Maintenant j'ai tendance à freiner trop. Tout à l'heure j'avais tendance à freiner trop peu. Mais maintenant, avec les deux crashs que j'ai eu, ben forcément, j'ai tendance à surfreiner par sécurité. Et donc c'est pas bien, parce que maintenant il y a les autres derrière qui me rattrapent. Mais ça, c'est l'effet psychologique du crash. En tout cas, le circuit est fun.
je ferai un short dessus pour vous le proposer. Oh, il est long, hein, mais bon, ça, c'est pas... Si on le sait, c'est pas grave. Faut peut-être aussi un réglage adapté pour ce circuit. Je suis pas sûr que le réglage de ma voiture soit adapté, mais... J'avais envie de prendre cette voiture-ci. Il y a un endroit où on a bien vu qu'on pouvait prendre à pleine vitesse, mais j'ai pas osé parce que j'avais vraiment peur de cogner. Ah là, non. Heureusement que la rambarde du pont n'a pas cassé et que je suis pas tombé dans l'eau. Mais j'allais trop vite là. Et je cravache pour essayer de rattraper les deux devant, mais c'est pas une bonne idée parce que je prends trop de risques et j'ai encore me retrouver. J'ai encore me retrouver à la ramasse. Dans un arbre ou calé dans un coin. Ah, tout juste. Faut pas se taper le piquet frontal, sinon c'est foutu aussi. On va perdre énormément de temps. Ils sont plus extrêmement loin, mais j'arrive pas à les rattraper. Il faudrait vraiment que je cravache comme un fou pour y arriver. Mais alors, plus je prends de risques, plus j'ai de chances de me taper un mur. Et là, ça anéantira toute chance de les rattraper. Comme ici, là, oh là là, catastrophe. Faut faire gaffe maintenant. On arrive dans la zone difficile où il y a des pièges. Ah, il y a le gars derrière qui me rattrape. Ici, il faut bien freiner, il faut faire attention. Non, c'est pas encore ici, c'est plus loin. Je me souviens plus où c'est, mais... Je sais qu'il y a un piège. Ah, je les vois, hein, ça m'énerve. Je les vois, mais j'arrive pas à les rattraper. Du coup, je roule trop vite parce que j'ai envie de les rattraper. Ah, c'est bon, ça. Ici, je crois que c'est ici le piège. Non, 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 oui, c'est bien. Non, oui, non. Oui, c'était ici, je crois. Non. On est encore plus loin. Ah, c'est pas vrai, je me refais dépasser. Décidément. J'ai peur de me retaper le truc, donc je freine trop. Je crois qu'on a dépassé le... Je ne sais pas. Ah non, c'est ici peut-être. Ouais, c'est peut-être ici. Ah, c'est ici, je crois. Ah, c'est ici, oui, c'est ici. C'est ici qu'il y a le piège. On est passé le piège, maintenant je peux y aller à fond. On va essayer de... De rattraper déjà celui-là. Ce serait déjà pas une mince affaire. Allez. Au moins essayer de finir troisième sur le podium, ce serait déjà bien pour une première course sur ce circuit. Ah non, ça y est, même erreur que tantôt. Enfin, que tout à l'heure. J'ai tapé les trucs rouges. Déjà, j'avais fait la même erreur tout à l'heure.
Ça c'était bon comme tournant. Allez, on va essayer de les rattraper. Allez, on fait le petit coup de boule, de bowling ou de flipper sur la voiture pour pas taper le mur, c'était bien. On est de nouveau troisième, mais ça va être compliqué de finir à une meilleure place. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va. Hop. Un enchaînement ici assez méchant. Allez. Oh non, ça y est, même erreur que l'autre fois, à l'autre tour, j'ai fait pareil. J'ai tapé exactement au même endroit, vraiment, même erreur, même endroit. Faut quand même essayer de finir troisième. Hein. On va cravacher là, prendre des risques. Voilà, c'est bon, essayez de pas sortir du truc. Voilà. Allez, troisième place. Oh là là, mon Dieu. Rebelote. Exactement au même endroit qu'au tour précédent, décidément. Attention au pilier du pont. Je crois qu'on arrive tout doucement à l'arrivée, je pense. Je crois que c'est l'arrivée. Ah non, non, encore un peu plus loin. Ah non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. On y est presque. Et bien voilà, on est arrivé. Donc il faut compter 18 minutes à peu près de course en S1 900. J'aime, évidemment. Eh bien écoutez, moi j'ai bien aimé la course, j'ai bien aimé le circuit, je vous conseille de l'essayer, je vous donne encore une fois le code, de toute façon je le mettrai en description, c'est 166-526-435, 166-526-435 et c'est un code épreuve. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.